1890. Un campement insolite se dresse dans la campagne. Depuis plusieurs jours, des allées-venues incessantes intriguent les habitants des villages voisins. On y achemine un matériel mystérieux pour le compte, dit-on, d'un original venu de Paris. Avocat de formation, Martel vient d'abandonner une carrière juridique toute tracée pour se consacrer totalement à sa passion, descendre dans les abîmes. À cette époque, personne n'a encore osé s'aventurer dans ces orifices noirs et béants qui criblent les grands causses. Et puisqu'aucun moyen n'existe pour aller y voir de plus près, Martel et ses amis, Delaunay, Goupilla, Armand, décident d'inventer. Un gros bâton, une corde de chanvre et surtout beaucoup d'audace. C'est sur ce qu'il appelle son escarpolette que Martel effectue la plupart de ses descentes. La veille de son exploration, il a embauché des hommes dans le village le plus proche. Non sans peine, car on ne comprend pas très bien ce qu'il cherche. Plus d'une fois, il lui faut préciser dans le contrat d'engagement qu'il y aura partage en cas de découverte d'un trésor. Car beaucoup pensent que c'est là la seule explication à l'attitude de quelqu'un qui risque délibérément sa vie dans de telles entreprises. Le trésor de Martel, ce sont les notes qu'il ramène et les plans qu'il relève au cours de 1500 descentes. Sa carrière reste indissociable d'un abîme exceptionnel, le gouffre de Padirac. 5 ans d'expéditions répétées à l'aide de canaux pliants lui seront nécessaires pour reconnaître 3 kilomètres de galeries, franchir 12 lacs et ouvrir ainsi la voie à l'exploration d'une des plus célèbres cavités des Causses qui deviendra, sous l'impulsion de son inventeur, une curiosité touristique mondialement connue. Scientifique avant tout, Martel entrevoit très vite le danger représenté par les charniers qu'il rencontre sous terre et dénonce la contamination de l'eau qui en résulte. Et puis, il fait école, grâce à ses innombrables publications qui le font reconnaître comme le père de la spéléologie. Pourtant, Martel n'était pas le premier spéléologue. 10 ans plus tôt, en 1880, dans le karst yougoslave, des hommes s'attaquaient à l'énigme de la Reka. L'exploration de cet important cours d'eau qui disparaît sous terre près de Skokian présentait un intérêt vital pour la ville de Trieste qui manquait d'eau. Sur les traces de l'ingénieur Lidner, Anke, Müller, Marinitsch constituent ainsi, avant la lettre, une des toutes premières équipes de spéléologues. Mais eux aussi ont des prédécesseurs. L'Autrichien Schmidl parcourt dès 1850 la région et les nombreuses cavernes qu'elle renferme. L'une d'elles est connue depuis fort longtemps. Elle cache une date historique, peut-être la signature du premier spéléologue de tous les temps. Schmidl y découvre d'immenses prolongements. Nous sommes à Postojna, qui deviendra l'une des plus célèbres cavernes aménagées. Ces installations lui permettent d'accueillir chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs venus du monde entier et attirés autant par la beauté de ses décors souterrains que par l'histoire de son exploration. In the pursuit of knowledge, men do wondrous things. They reach for the stars and they bury themselves in the earth. L'inconnu de 1213, poussé par on ne sait quel obscur désir de découverte, était sans doute bien loin de penser qu'il ouvrait la voie de l'exploration des cavernes. Mais cet univers parallèle allait rester encore ignoré pendant de nombreux siècles. Les croyances populaires le peuplaient de monstres inquiétants, de mauvais génies ou d'animaux invraisemblables. La vie pourtant existe sous terre, pas forcément monstrueuse, mais suffisamment insolite pour qu'on ait longtemps vu dans les protées des bébés dragons. Ces batraciens serpentiformes sans yeux sont les premiers cavernicoles à avoir été étudiés et marque le début de la biologie souterraine. Le Roumain Rakovitza et ses collaborateurs, puis les professeurs français Janel et Vandel, sont alors les précurseurs de cette branche scientifique nouvelle qui prouve que le monde souterrain n'est pas un monde mort. Au début du siècle, Fournier dans le Jura, Descombaz dans les Alpes, Viré, Balzan dans le Lot sont les principaux émules de Martel. Mais une série de découvertes va donner à l'étude des cavernes ses lettres de noblesse. Rouffignac, Lascaux, Altamira
révèle soudain l'existence de sanctuaires préhistoriques insoupçonnés. Préservés du temps par les cavernes, les peintures rupestres font surgir de la nuit des témoignages vieux de 20 000 ans. Dans les grottes bordant la Garonne, un adolescent se met en tête de découvrir lui aussi des fresques préhistoriques. Norbert Casteret commence sa carrière. Aujourd'hui âgé de 80 ans, Norbert Casteret a écrit 30 livres qui retracent ses exploits. Dans sa retraite de Saint-Gaudens, il évoque sa première grande découverte alors qu'il s'apprêtait à franchir le siphon de la grotte de Montespan en 1922. Alors devant ce siphon, évidemment, mon esprit a beaucoup travaillé, je ne suis pas précipité d'emblée dans l'eau. J'ai posé ma bougie sur une petite aspérité rocheuse, j'ai oxygéné mes poumons, comme il faut le faire dans ces cas-là. Et quand je me suis jugé prêt, je me suis enfoncé sous cette voûte. Je tâtais la voûte avec la main, avec l'autre main en avant. Je tâtais pour voir s'il y avait quelque obstacle. Et j'ai eu la chance, très grande chance, que ce ne fût pas un siphon prolongé. Au bout de quelques mètres, j'ai émergé. Et j'ai compris que j'avais franchi le siphon. J'ai avancé sur des centaines de mètres. Et j'ai débouché dans une salle qui m'a paru gigantesque. Je me dirige vers la paroi opposée. Le couloir avait 7 ou 8 mètres de large. Et pour arriver à la paroi rocheuse, je suis gêné par une espèce de bloc, comme ça, que je contourne. Et en le contournant et en mettant la main dessus, je me suis aperçu que ce n'était pas un rocher, que c'était de l'argile. Et qu'il avait une forme bizarre. Alors, avec ma bougie, j'en ai fait le tour et je tombais sur la statue de l'ours de Montespan, qui me déconcertait parce qu'il n'avait pas de tête. Il était bien sculpté, bien modelé, une belle croupe arrondie, un garrot, les pattes de devant avec les griffes bien apparentes, et la section du cou, pas de tête, et entre les pattes de devant de la statue, un crâne d'ours. Cette découverte des plus vieilles statues d'argile connues fait entrevoir à Norbert Casteret la perspective d'une carrière entièrement consacrée aux cavernes. Et très vite, les expéditions se succèdent. Il parvient à déterminer la véritable source de la Garonne, s'attaque avec son épouse à la fameuse Cigalère au cours d'expéditions particulièrement difficiles, découvre dans le Marboré les plus hautes grottes glacées d'Europe. À côté de nombreuses trouvailles préhistoriques, il atteint dans le gouffre Martel la profondeur de 303 mètres, un record pour l'époque. Ses récits d'exploration le rendent célèbre et suscitent d'innombrables vocations de spéléologues. Ça va ? Ça passe. Vers 1930, les premiers clubs organisés voient le jour. Cependant, faute de matériel, les possibilités de ces pionniers demeurent faibles et surtout, les équipements restent sommaires. Chaussures à clous et sacs à dos, vieux habits sacrifiés pour la circonstance, chapeaux de feutre au bord coupé ou simples bérets en guise de casque n'autorisent que des incursions limitées. L'exploration de la Franche-Comté souterraine connaît son âge d'or, grâce à ses nombreuses grottes facilement repérables. À chaque descente, c'est une première, qui livre plusieurs kilomètres de galeries nouvelles. Parfois, l'expédition bute sur un puits trop profond, ou une difficulté qui semble insurmontable. Mais les explorateurs ont toujours de quoi oublier les déceptions et les carences du matériel. Parmi tous les obstacles qui arrêtent les expéditions d'alors, les siphons apparaissent comme les plus infranchissables, mais aussi comme les plus attirants. En 1935, le Frépuy, célèbre gouffre noyé de l'est de la France, est plongé par Nestor Glockner à l'aide d'un équipement respiratoire de sa fabrication. Son masque est construit à partir d'un phare de camion et la soupape d'évacuation de l'air n'est qu'un morceau de caoutchouc. À quelques mètres de l'entrée, Glockner doit renoncer. La galerie continue, toujours sous l'eau. 10 ans plus tard, l'Association spéléologique de l'Est, nouvellement créée, prend le relais, cette fois avec les gros moyens.
un scaphandre lourd que Jacques Collot est en train de revêtir. Le frais-puits est en fait un regard sur un énorme collecteur souterrain, dont les eaux proviennent des pluies et des ruisseaux qui se perdent sur les plateaux voisins. On supposait que derrière la voûte noyée devaient se trouver d'importantes galeries sèches. 36 ans plus tard, Jacques Collot raconte son expérience. J'ai eu ce scaphandre par l'intermédiaire des ponts et chaussées, un scaphandre normal avec la pompe, la grosse pompe, et puis 20 ou 40 mètres de tuyaux. Et alors là, on est parti sur le frais-puits avec les pompiers, en cas d'accident, parce qu'on ne savait pas, on ne savait pas ce qu'il y avait, si c'était un gouffre ou si il y avait une grande salle et tout. Alors c'est une habitude parce que moi, dans le scaphandre, je ne savais pas qu'il y avait une soupape. Puis dehors, il pompait trop vite. Puis j'ai monté au plafond. Puis après, j'ai vu la petite soupape, alors j'ai décomprimé. Puis je suis rentré dans ce boyau qui était plein de troncs d'arbres, de gros blocs. Mais j'étais tout doucement, je voyais très clair, hein, parce que j'avais un phare très puissant de camion avec deux grosses batteries énormes. Hein. On voyait à 30 mètres dans le frais, puis 40 mètres. Formidable, d'ailleurs. À 40 mètres, le tuyau trop court l'oblige à revenir. Le frais-puits garde son secret. À la même époque, un personnage étonnant commence à faire parler de lui. À la tête de son groupe, Robert de Joly explore les abîmes du Gard, des Causses et de l'Ardèche. Très vite, il pense à améliorer le matériel utilisé jusqu'alors, et en particulier allège les échelles métalliques souples qui avaient été inventées par les clubs italiens. Autoritaire et excentrique, Robert de Joly règne sur un noyau de collaborateurs dévoués. Messieurs, je vous salue. C'est ainsi que Robert de Joly dédiait chacune de ses descentes à ses équipiers, car de Joly était un aristocrate qui considérait le gouffre comme un adversaire à qui il allait livrer un combat singulier. Entre 1936 et 1950, au rythme pétaradant de ses voitures, qui constituent après les cavernes sa seconde passion, Robert de Joly multiplie les campagnes, mettant un point d'honneur à aller plus vite et plus profond que ceux qui ont eu l'effronterie de l'avoir précédé. Ses inventions révolutionnent le matériel de l'époque. Ceinture de sécurité, réserve d'acétylène, bottes à embout protecteur et semelles garnies de pointes antidérapantes. Il perfectionne aussi l'éclairage, met au point un dispositif de rallumage à pierre à briquet directement monté sur les casques, construit de nouveaux systèmes de manipulation des agrès. Mais plus que son génie inventif, c'est la découverte de l'Avesnes d'Orgnac qui le rend célèbre. Au terme de 50 mètres de descente, c'est le coup de foudre entre De Joly et la Grande Caverne. Explorant souvent en solitaire, il n'aura de cesse qu'Orgnac devienne un des hauts lieux du tourisme souterrain. Chaque été, des milliers de visiteurs parcourent les galeries qu'il a découvertes. Ils peuvent apercevoir, dans une draperie stalagmitique de la première salle, une urne d'argent. C'est là que repose le cœur de Robert de Joly. Figure de légende, égarée dans notre siècle, il fut sans doute l'un des derniers grands conquistadors des temps modernes. L'exploration souterraine se diversifie au gré des régions. Dans la fameuse Dent de Crolle qui domine Grenoble, Pierre Chevalier et son équipe s'attaquent au trou du glas. Pénétrant par la base du massif, ils explorent en remontant et sont ainsi confrontés à des obstacles inédits. Pour mener à bien ces escalades souterraines, Pierre Chevalier a son idée. Un mât télescopique constitué de tubes qui s'emboîtent les uns dans les autres jusqu'à former une perche de 15 mètres. Tout en l'assemblant, on la dresse dans le puits, en direction de l'endroit à atteindre. Lorsque le mât prend trop de flèches, un système de haubanage permet de lui conserver sa rigidité. Cette installation fait gagner beaucoup de temps par rapport aux escalades traditionnelles qu'il aurait fallu effectuer avec des pitons, car les puits remontants se succèdent sans arrêt. En quelques expéditions, les explorateurs s'élèvent de 350 mètres à l'intérieur de la montagne. Ok, c'est bon, ça a couché. Bon. Il reste le premier boulot. Ingénieur chimiste, Chevalier a d'abord été l'un des meilleurs alpinistes de sa génération avant de répondre à l'appel des gouffres.
Il est secondé par Fernand Pesle, Charlie Petit-Didier, Jean Noir. C'est avec le Trou du Glas que leur équipe signe son plus bel exploit en reconnaissant les 15 premiers kilomètres d'un immense réseau qui en atteindra par la suite 31. Pendant quelque temps, il sera même le plus profond dénivelé connu avec 603 mètres. Et ça donne ! Ça continue ! En Haute-Garonne, dans les profondeurs du massif d'Arbas, le gouffre de la Haine Morte est le théâtre d'une autre innovation. Félix Trombe et ses compagnons acheminent sous terre un volumineux matériel. Ils sont descendus depuis près de 25 heures et ont prévu de bivouaquer. Pour la première fois, un camp souterrain va permettre de vaincre un grand gouffre par étapes successives, en reculant encore les limites de l'exploration. En 1947, la côte moins 446 est atteinte, la Haine Morte prend place parmi les plus grands gouffres connus. Seule la plongée des siphons n'évolue guère. Le musée de l'Avenne de Marzal a consacré une large place à cette spécialité avec le matériel du comte Guy de Lavaur. Il fallait mettre au point un équipement solide et sûr et résoudre le problème de l'éclairage, particulièrement vital dans les siphons où l'eau se trouble au moindre coup de palme. La résurgence de la fontaine Saint-Georges sert de cadre aux essais de Guy de Lavaur. Les premiers scaphandres autonomes sont apparus et autorisent une liberté de mouvement inespérée. De Lavaur construit un système de lampe morse qui lui permet de rester en communication avec l'extérieur. Et surtout, il s'attache à mettre au point une tenue isothermique, ancêtre des combinaisons modernes en néoprène, qui rendent possible des plongées de plusieurs heures. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les innovations techniques se multiplient. Mais toute cette période reste marquée par la personnalité de Robert de Joly, toujours épris de vitesse et d'efficacité, et son style d'exploration très personnel. Les équipiers restent en relais et s'échelonnent tout au long de la descente pour permettre au seul chef d'expédition d'atteindre le fond du gouffre. Cette formule très dirigiste était bien dans la ligne de son personnage, mais elle ne pouvait s'appliquer qu'à De Joly lui-même. Ailleurs, et notamment dans les Alpes, on mise sur l'esprit d'équipe. Une bande de copains du club alpin français a l'idée d'appliquer en outre les techniques de la montagne à l'exploration souterraine. Trois à l'entrée du gouffre, ils sont également trois au fond, partageant les satisfactions comme les désagréments de l'exploration. L'esprit de cordée qui les anime leur vaut de se sortir de plusieurs situations délicates, car les gouffres de la Chartreuse, du Dévoluy, du Vercors sont un terrain souvent difficile, dans lequel des crues subites peuvent noyer en quelques instants une équipe ou la bloquer sous terre pendant plusieurs jours. Mais c'est aussi une zone pratiquement vierge, à peine débroussaillée par le pionnier André Bourgin. Et les premières d'envergure y abondent. Sur le plateau de Sornin, à 10 km à vol d'oiseau de Grenoble, Jo Berger découvre un gouffre inconnu. Très vite, les verticales se succèdent. Ils utilisent la technique du rappel, en se laissant glisser le long de cordes de montagne. Ça va ? Oui, ça y est ! À moins 450, ils arrivent dans une grande salle. Ce sera la salle des 13, en souvenir des 13 membres de leur expédition. Mais le téléphone de campagne annonce bientôt que ça continue. C'est la rivière sans étoiles qui s'enfouit toujours plus bas, en direction des cuves de Sassenage. Les équipements ne sont pas toujours bien adaptés. Souvent, ils proviennent des surplus militaires où l'on récupère des casques américains, des treillis, des chaussures de montagne. Une série d'expéditions étalées sur plusieurs années sera nécessaire pour descendre encore plus bas. En 1956, la côte fatidique de moins 1000 est atteinte, puis dépassée. Avec 1122 mètres, le gouffre Berger devient le plus profond du monde. À 20 mètres de la frontière franco-espagnole, un autre géant des profondeurs vient d'être découvert. Il porte le nom de la borne géodésique la plus proche, la Pierre Saint-Martin. Le puits d'accès est phénoménal, 320 mètres d'à pic.
Haroun Taziev fait partie des premières expéditions avec Laberi, Occhialini et Marcel Loubens. J'ai été mêlé à la prospection, à l'exploration du gouffre dès le début, jusqu'à la mort de Marcel Loubens. Nous faisions équipe à deux en tête. J'étais, moi, en l'occurrence, un spéléo tout à fait débutant. Mais je me suis laissé finalement convaincre lorsque Georges Lépineux a eu découvert l'entrée du gouffre, qu'on a eu, par les premiers sondages, l'espoir de se trouver devant la verticale la plus profonde jamais rencontrée encore, et que l'idée des difficultés assez excitantes que cela proposait, surtout à l'époque, avait vaincu mes hésitations. Et je dois dire que après donc la montagne, la mer profonde, les volcans, les déserts aussi, le gouffre de la Pierre Saint-Martin n'a pas été minimisé. C'était quelque chose de grandiose, même à côté d'un volcan, même à côté d'une montagne de 5000 ou de 6000 ou de 7000 mètres. C'était quelque chose de grandiose, quoique on ne voit pas énormément, puisqu'on est en plein noir. Et à l'époque, les conditions d'éclairage n'étaient pas du tout ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. J'ai fait mon tout premier film souterrain à la Pierre Saint-Martin. Et alors, j'avais adopté les torches au magnésium de Ruggieri. Ils allumaient les torches. Et alors, je voyais au loin, dans cette salle énorme, trois ou quatre gars, tout petits, éclairés par la torche qu'ils portaient et qui éclairaient, parce que ces torches sont très lumineuses, qui éclairaient le plafond à 50 mètres, 60 mètres plus haut. C'était fabuleux. Donc on a adopté le treuil, et c'est ça malheureusement qui a conduit aussi, le treuil n'étant pas bien conçu, à la mort de Marcel Loubens la deuxième année. Et on s'accrochait par un mousqueton de sécurité, tout simplement. Ce qui était passé, c'est ça qui a causé la mort de Marcel. Tombé comme une masse, il devait peser tout équipé, là il devait peser dans les 110 kilos, 120 kilos. Oui, 10 mètres, oui, 10 mètres de chute. Abrupte, 10 mètres de chute sur de la pierre dure. Hein, il n'y avait pas assez de serrage, pas assez de précaution. On n'avait pas serré suffisamment pour ne pas écraser l'âme téléphonique. Aujourd'hui, au pied du grand puits découvert par Georges Lépineux, subsistent les vestiges du drame. La civière où le corps de Loubens reposa pendant 2 ans, le tambour du treuil, les poutrelles métalliques placées pour étayer la remontée du conteneur et les tronçons d'échelle des éclaireurs lyonnais. Alors que l'exploration de l'Everest des profondeurs se poursuit, il jalonne l'histoire d'un gouffre exceptionnel qui occupe une place à part dans la conquête souterraine. 1963. Les feux de l'actualité se concentrent sur un nouvel accident souterrain à la goule de Foussoubi. On est toujours sans nouvelles des 5 spéléologues bloqués par la crue. Les pluies incessantes qui s'abattent sur la région ont grossi de façon soudaine le cours d'eau qui s'engouffre dans la caverne. Nuit et jour, les sauveteurs s'acharnent à dériver le torrent en édifiant un barrage, alors que les motopompes fonctionnent sans interruption et que l'eau continue à monter. Un bulldozer a même été acheminé sur place afin de construire une digue en terre. Dans l'impossibilité de communiquer avec d'éventuels survivants, il a été décidé de lancer régulièrement dans le courant des bidons étanches contenant des vivres et de l'éclairage, en espérant qu'ils pourront leur parvenir. Le 6 juin, la pluie s'est enfin arrêtée et les efforts des sauveteurs finissent par porter leurs fruits. Dans la goule ne pénètre plus qu'un ruisseau et les premières équipes de secours ont pu s'aventurer dans la caverne. Plusieurs rescapés avaient trouvé refuge dans une galerie proche de l'entrée et leur évacuation est en cours.
mais ils sont très affaiblis par ces 4 jours passés dans le froid, les ténèbres et le vacarme de la rivière en crue, et surtout très choqués par la mort de 2 des leurs. Car Jean Dupont et Bernard Raffet ne remonteront pas de ce gouffre, devenu en quelques instants un piège mortel. Jean Dupont, Bernard Raffet. En souvenir de leurs camarades disparus, les Lyonnais du groupe Vulcain désignent par ces 2 prénoms un nouveau gouffre qu'ils viennent de découvrir en Haute-Savoie. Alors que s'achève le drame de Foussoubi, l'exploration du Jean Bernard commence. Moins risquées et plus anonymes, les recherches scientifiques continuent de conduire à une meilleure connaissance du monde des cavernes. Dans l'Ariège, le CNRS a construit un important laboratoire souterrain. À l'intérieur même d'une grotte sont étudiées, dans leur milieu naturel, des espèces souterraines en provenance du monde entier. Ces poissons cavernicoles, sans yeux et dépigmentés, peuplent certaines rivières souterraines du Mexique. Les grottes des pays d'Amérique latine renferment des crabes aveugles et décolorés. Les installations souterraines de Moulis permettent de reproduire exactement les conditions de vie d'une espèce donnée afin d'étudier ses mœurs, sa reproduction, son comportement. Créé sur l'initiative du professeur Janel et inauguré en 1954, le laboratoire accueille des chercheurs de renommée internationale. On peut y observer des espèces souterraines inhabituelles, comme ces frines, d'une envergure de 30 cm, qui vivent dans les grottes équatoriales où règne en permanence une température de 25 degrés. À partir de 1965, le nombre grandissant des visiteurs de cavernes amène les fabricants de matériel à s'y intéresser. Les premières combinaisons imperméables, conçues au départ pour le yachting, augmentent considérablement les capacités des spéléologues. Protégés par une cagoule et une tenue en matière plastique, ils peuvent rester sous terre plus longtemps et ainsi espérer aller plus loin. En gouffre, les échelles métalliques souples sont de rigueur. Un rouleau de 10 mètres pèse 1,5 kg, soit 10 fois moins que les échelles en bois de la Belle Époque. Un appareil nouveau, le descendeur, autorise une plus grande rapidité. Les descentes se font facilement sur des cordes en nylon résistantes et imputrescibles. À la remontée, les équipiers s'assurent souvent les uns les autres. Mais peu à peu, le bloqueur rend chaque spéléo autonome. Solidaire du grimpeur qui le porte, il coulisse le long de la corde et l'empêche de tomber en cas de défaillance. Ces améliorations techniques ont pour effet d'accroître considérablement les durées d'exploration. Des réseaux longs et difficiles sont maintenant abordés par des équipes de 3 ou 4 hommes seulement. Au fil des obstacles franchis, les résultats font un bond en profondeur. On dénombre maintenant 9 gouffres de plus de 500 mètres. Mais une expédition souterraine, en général, dépasse rarement plusieurs jours. C'est pourquoi, en 1966, l'expérience du Français Jean-Pierre Mertet fait sensation. Il vient de passer 6 mois sous terre dans la veine Olivier. Une expérience suivie de très près par les Américains en raison de ses enseignements pour la conquête spatiale. Le campement, les occupations et les loisirs, les réserves de nourriture et le programme d'alimentation, tout a été prévu et organisé pour ce séjour hors du temps. En surface, Michel Siffre contrôle le déroulement de l'expérience, tandis que les ordinateurs de la NASA enregistrent en permanence toutes les réactions de l'organisme du cobaye. D'accord. Bon, on a commencé à faire marcher le dynographe. Fais attention. Les caractéristiques de l'espace ressemblent étonnamment à celles des cavernes, qui constituent un banc d'essai beaucoup moins coûteux. Après 6 mois de réclusion volontaire, Mertet sort du gouffre. Son expérience aura confirmé l'existence d'une horloge biologique qui régit le comportement de l'homme lorsqu'il perd la notion du temps. Elle lui impose un rythme de vie de 48 heures alors qu'il n'en perçoit en fait que 24 et met en évidence de curieuses modifications dans l'organisme humain. Mais au moment même où elle laisse entrevoir ses prolongements insoupçonnés, la recherche souterraine marque le pas devant des orientations nouvelles.
Récemment créée, l'école française de spéléologie s'est implantée dans le Vercors. Elle répond à une nécessité, encadrer les jeunes qui, de plus en plus nombreux, s'intéressent aux cavernes. Dans toutes les régions calcaires se développe une spéléologie de loisirs. Une fédération nationale, fondée en 1963, coordonne ces différentes tendances d'une même discipline. Sa variante purement sportive a aussi ses adeptes. Une expédition importante se prépare et les grandes verticales imposent de s'entraîner au préalable. Certaines falaises très hautes permettent de perfectionner sa technique de remonter à l'échelle et de se familiariser en plein vide avec les manœuvres les plus délicates. Le porche de Bournillon, dans l'Isère, celui de la Sarrazine, en Franche-Comté, deviennent des lieux d'entraînement régulièrement fréquentés. Les équipements ne cessent de se perfectionner. On s'attache à améliorer le confort pour aller encore plus profond. En rivière souterraine, les pontonnières individuelles remplacent les canots, trop lourds et vulnérables. Ces bottes à bretelles, montant très haut sous les épaules, permettent d'évoluer dans l'eau pendant des heures sans être mouillés. Auparavant, dans les réseaux actifs, les explorateurs, trempés et transis de froid, devaient souvent remonter au bout de quelques heures. Désormais au sec, ils peuvent envisager des temps d'exploration décuplés. En quelques dimanches, la grotte de Gournier voit son développement porté à 12 km. Les cascades de la Dio, du réseau Trombe, de Couffin-Chevaline, de Bury cessent d'être un handicap. En 1970, 46 gouffres dépassent 500 mètres de profondeur. Rien n'empêche plus de suivre le cours d'eau jusqu'à son terminus, le siphon. Et même d'aller plus loin, car là aussi, les méthodes ont évolué. Les scaphandres autonomes facilitent beaucoup les choses, mais s'aventurer dans un siphon reste toujours dangereux. Malgré le fil d'Ariane qu'on déroule et l'emploi systématique de deux bouteilles et de deux détendeurs, l'eau qui se trouble rapidement compromet le retour. Plonger au-delà de 100 mètres de distance apparaît comme une folie. Le Frépuy marque une nouvelle étape dans la plongée souterraine. En 1973, l'Allemand Jörn Hasenmeier y plonge en solitaire, avec un matériel très étudié. Son fil d'Ariane n'est pas une cordelette, mais un fil de fer. En cas de rupture, Hasenmeier le récupère toujours au fond de la galerie. Il s'est fabriqué un casque anatomique à ses mesures. Utilise une combinaison à volume constant qu'il a construit lui-même et qui lui permet d'être protégé de l'eau et du froid. Ces bouteilles sont en alliage spécial et autorisent des pressions de gonflage anormalement élevées par rapport à des bouteilles classiques. En 9 heures de plongée, Hasenmeier parcourra 2,5 km de galerie noyée, un record mondial. En même temps, ses coups d'audace contribueront à détruire les barrières morales attachées à la plongée des siphons. En exploration traditionnelle aussi, on cherche à mettre au point des systèmes capables d'améliorer les performances. L'araignée est une plateforme d'escalade qui permet de progresser confortablement le long d'une paroi. Debout sur cet appareil, il est possible de placer un point d'ancrage tous les 2 mètres, ce qui représente une économie appréciable de temps et d'énergie. Assuré d'en bas, le grimpeur s'élève par étapes successives. Bien des premières sont ainsi liées à l'escalade d'une barre rocheuse qui stoppe brusquement une galerie, à la suite d'un effondrement ou d'un soulèvement de terrain. Comme pour l'équipement des puits,
La méthode repose sur l'emploi des spitrocs. Les pitons, seulement utilisables lorsqu'une fissure n'est pas colmatée, ont peu à peu cédé la place à ces chevilles autoforantes qui permettent de positionner les cordes en plein vide. Cette précaution est vitale car la plupart des explorations se font maintenant sur corde unique. La remontée fait appel à deux appareils autobloquants. L'un sert de poignée mobile, l'autre est fixé sur la poitrine, de manière à être solidaire du grimpeur. En prenant appui alternativement sur l'un et l'autre appareil, on s'élève sans fatigue le long de la corde. Solution de facilité pour certains, la remontée au bloqueur a le mérite de réduire considérablement le matériel nécessaire à l'exploration d'un grand gouffre. De ce fait, elle permet d'aborder un domaine jusque-là inaccessible. Celui des gouffres d'altitude, situé dans les lapias désertiques et difficiles d'accès qui coiffent les massifs calcaires. La spéléologie alpine demande de l'endurance et un minimum de qualité athlétique. Certains s'attachent à réduire encore ces exigences en introduisant une motorisation qui semblait jusque-là relever de l'utopie. Le motocorde est construit à partir d'une tronçonneuse bricolée. Mais loin de vouloir supprimer tout effort physique, son inventeur, Bruno Dressler, l'a surtout conçu pour les opérations de secours, où il peut assurer le tractage d'un blessé. Activité d'équipe par excellence, l'exploration du sous-sol a pourtant ses francs-tireurs. On peut la concevoir en solitaire, soit par nécessité, soit par vocation. Une technique récente rend possible l'exploration par un isolé de gouffres qui nécessitaient, il y a encore 10 ans, d'importants moyens en hommes et matériels. La méthode de la cordelette consiste à utiliser la même corde pour tous les puits en la récupérant grâce à un décrocheur et en lui substituant une fine cordelle qui servira à la remettre en place pour la remonter. 50 mètres de corde et quelques centaines de mètres de ficelles, qui tiennent facilement dans un seul sac, suffisent à un homme entraîné pour effectuer l'exploration intégrale de gouffres très profonds. La complexité de cette technique la rend délicate. Le décrocheur est beaucoup plus souvent utilisé en alpinisme. Actionné depuis le bas de la verticale, il permet la récupération de la corde. En passant dans l'anneau, la cordelette se positionne du même coup pour la remonter. Il faut veiller tout particulièrement à ce que les deux brins forment un triangle et restent parfaitement séparés. Cette précaution est capitale, puisqu'au retour, la cordelette devra coulisser dans l'anneau pour ramener la corde en place. Au-delà des émotions de la randonnée solitaire, il y a la satisfaction de pratiquer une technique difficile et d'en maîtriser les moindres aspects. Et quelles que soient les motivations de ceux qui s'y adonnent, ils contribuent aussi, à leur façon, à l'étude du monde des cavernes. Actuellement, la recherche scientifique est un peu son parent pauvre. Mais dans le sillage de savants comme Philippe Renaud ou Bernard Gèze, on s'attache toujours à définir les caractéristiques du milieu souterrain. Des dispositifs enregistreurs mettent en évidence la variation des courants d'air, l'importance du degré hygrométrique ou la stabilité de la température à l'intérieur d'une même grotte. La biologie s'enrichit régulièrement de la découverte de nouvelles espèces. On identifie des sous-groupes chez des cavernicoles que l'on croyait à jamais figés dans leur mutation. L'évolution de ces espèces au gré des impératifs du milieu est une formidable preuve des facultés d'adaptation de la vie.
Chaque année, des congrès et des colloques scientifiques permettent aux chercheurs du monde entier de confronter leurs travaux. L'étude du karst, du pays calcaire type, bénéficie des enseignements rapportés par ceux qui en explorent les profondeurs. Un appareil mythique est enfin fabriqué, le détecteur de cavernes. Le rêve de beaucoup à une époque où l'on ne trouve plus de grottes inédites dont l'entrée soit évidente. Mais il n'est qu'au stade expérimental. C'est l'eau souterraine qui reste le cheval de bataille du spéléologue moderne. De ces investigations, en effet, dépend souvent la réalisation de captages qui alimenteront les localités de la surface. Une pollution insidieuse menace aujourd'hui cette richesse du sous-sol. Ce sont les égouts, directement aiguillés sous terre, mais aussi les ordures accumulées dans certaines grottes, et parfois même les charognes, lorsqu'on se débarrasse ainsi des animaux morts ou lorsque sévit l'abattage clandestin dans les régions d'élevage intense. C'est encore l'emploi abusif d'engrais azotés et d'insecticides qui sont inévitablement entraînés par les infiltrations. C'est enfin le déversement, accidentel ou parfois volontaire, par certaines usines, de produits hautement toxiques qui se retrouvent tôt ou tard sous terre. Les prélèvements effectués dans un cours d'eau permettent de déceler une vague de pollution et d'en rechercher les causes. Leur analyse révèle un pourcentage grandissant de germes nocifs qui sont à l'origine d'intoxications graves et d'épidémies d'hépatite virale. Les colorations désignent à coup sûr la résurgence d'une rivière souterraine. La fluorescéine est un auxiliaire particulièrement efficace, qui de plus n'est absolument pas toxique. Elle se substitue à l'explorateur là où celui-ci ne peut passer et révèle le fonctionnement complexe de certains réseaux. L'hydrologie fait sans doute retrouver à l'exploration souterraine d'aujourd'hui sa vocation première de science. Mais ce sont les préoccupations purement sportives qui lui servent toujours de moteur. Près de la Pierre Saint-Martin, dans le village de Saint-Engrasse, Dominique Prébande, un pionnier des premières descentes, continue de filtrer les expéditions. L'EDF avait foré en 1960 un tunnel destiné à rejoindre le torrent souterrain et qui court-circuite le grand puits d'entrée. Son accès est réglementé par l'ARCIP, association qui coordonne les recherches internationales sur le massif de la Pierre. Par la suite, le captage s'est avéré impossible. Mais le tunnel permet de reprendre les explorations et d'atteindre la profondeur de 1170 mètres. Puis, sur les lapias du pic d'Annie, des prospections systématiques amènent la découverte d'orifices supérieurs. Le plus élevé, le SC3, est repéré en 1975 par deux Anglais du Bristol Explorers Club, qui descendent immédiatement dans la fissure. Une succession de puits, échelonnés sur près de 400 mètres, donne accès au réseau connu, en amont des grandes salles parcourues par les premiers explorateurs. Le développement du réseau est ainsi porté à 30 km, et le dénivelé s'accroît encore. Avec moins 1332 mètres, la Pierre Saint-Martin consolide sa place de plus profond gouffre du monde, sans que son exploration puisse être considérée comme terminée, tant les prolongements de cet immense labyrinthe souterrain semblent infinis. C'est pourtant en Haute-Savoie que le record va être battu, par un gouffre quasiment inconnu jusque-là. En 1980, dans le Jean Bernard, une série d'expéditions hivernales permet d'atteindre moins 1410 mètres. L'année suivante, à 1000 mètres de profondeur, un bivouac rassemble une équipe de pointe de 12 hommes, au cours d'une exploration associant étroitement l'alpinisme, la spéléo et la plongée. Car pour espérer descendre encore, il faut franchir le siphon terminal. Ah.
Au bout de l'attente, une nouvelle profondeur. 1455 mètres. Que Patrick Penez améliore encore en 1982. Les chiffres sont éphémères et les records s'oublient vite. Mais ils ouvrent la voie à des explorations toujours plus ambitieuses qui permettent d'aller encore plus loin. Ainsi, le sous-sol autrichien commence seulement à être exploré. Longtemps inaccessible, ces grands abîmes glacés sont maintenant le théâtre d'expéditions fréquentes. Au Mexique, de formidables apics ont démythifié la notion de verticale souterraine. Aujourd'hui, quel explorateur ne rêve pas de découvrir un puits dépassant les 411 mètres du gigantesque Sotano? L'ère des grandes expéditions internationales s'ouvre, axée sur la Papouasie, Bornéo, la Nouvelle-Guinée, où ont été localisées les plus importantes épaisseurs de calcaire de la planète et où, potentiellement, doivent exister les plus profonds gouffres jamais explorés. Au fin fond de la jungle, de nouveaux chapitres de la conquête souterraine restent à écrire. La colonisation des cavernes par l'homme a pourtant ses excès. Tout naturellement, on a songé à utiliser des salles souterraines suffisamment vastes comme abri anti-atomique, en cas de guerre nucléaire. Ce serait une bien triste utilisation, pour des lieux qui ont été le berceau de l'humanité, que d'avoir à en assurer la survie. La face cachée de la Terre est sans doute l'un des derniers domaines inexplorés de notre monde. Souhaitons qu'elle reste, pendant longtemps encore, le seul théâtre de l'émerveillement, de la découverte et de l'aventure, encore possible en plein XXe siècle.